Bonsoir. Bonsoir. Donc, bienvenue dans notre émission. Est-ce que tu pourrais te présenter pour moi en quelques mots? Je m'appelle Melvi, je prie dans une assemblée locale qui est près de Maurepas et je vis dans les Yvelines. D'accord. Et qu'as-tu retenu ou appris de cette session de Didasco aujourd'hui? Ce que j'ai retenu, c'est premièrement la séparation qui était le thème de la session Didasco. Et ce qui me revenait clairement, c'était le passage dans Genèse, où le Seigneur disait qu'il séparait la lumière d'avec les ténèbres. Et c'est vrai qu'on ne peut servir le Seigneur en se mélangeant en fait avec les ténèbres. En fait. Et c'est clair, c'est dans sa parole, et c'est comme ça. Donc Dieu nous sépare avant qu'on puisse naître. Et en fait, c'est un processus qui se passe voilà, tout au long de notre conversion. Il faut vraiment l'accepter, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et donc, il faut l'accepter. Donc, voilà, ça fait à peu près 8 ans que je suis converti. Et c'est quelque chose que, voilà, quelque chose que j'ai vécu. J'ai eu beaucoup d'amis voilà, qui se moquaient et qui pensaient que j'étais allé dans une secte. En plus, je les invitais des fois à quelques réunions. Et ils trouvaient ça bizarre. Et donc voilà, on subit beaucoup de pleurs, beaucoup de paroles blessantes. Des amis qui sont proches, avec lesquels on a passé énormément de temps. C'est pas évident, mais il faut serrer les dents, il faut avancer avec le Seigneur, parce que je crois que le meilleur est vraiment dans le futur et qu'il faut accepter les épreuves comme le Seigneur lui-même les a subies. 8 ans de conversion, c'est bien, gloire à Jésus. Et justement, est-ce que tu peux partager avec nous en quelques mots, comme ça, vite fait, comment est-ce que tu tiens au quotidien depuis 8 ans dans ta marche avec le Seigneur par rapport à la séparation? L'amour du Seigneur. Il faut vraiment aimer Dieu. Et je prends souvent l'image du couple. Hein. Donc, des fois, dans le couple, c'est comme un piano. Il peut avoir des touches blanches. Enfin, dans le piano, il y a des touches blanches et des touches noires. Donc, des fois, des bons moments et des moins bons. Mais en toute chose, faut s'accrocher. Il faut s'accrocher au Seigneur. Et c'est l'amour du Seigneur, c'est vraiment aimer Dieu. Parce que c'est vrai qu'on peut passer des fois par des moments où de grosses incompréhensions, on se demande, mais on a l'impression d'être dans un trou noir où on comprend pas comment Dieu fonctionne, où on se pose énormément de questions, ou même des fois pendant ces questionnements-là, on veut faire comme la femme de Lot, voilà, regarder en arrière remanger ce qu'on avait vomi, etc. Mais il faut vraiment avoir l'amour du Seigneur. Et quand on persévère, justement, en fait, Dieu voit notre fidélité. Et on voit notre fidélité, en fait, il nous bénit encore. Et on comprend, en fait, pourquoi on était passé par ce cheminement. Et c'est vraiment ça. Je pense que la vie chrétienne, c'est vraiment une vie d'amour, de persévérance avec le Seigneur. Il ne faut vraiment pas lâcher. Il faut être têtu face au péché. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour tes mots. À très bientôt. Que Dieu soit béni.